Et oui, on a besoin de la gamata. Voilà. Je vais vous expliquer aussi pourquoi on a besoin de la gamata. Donc là, on met de la terre pour après, par la suite, couler du béton pour faire une plateforme. Avec le grand moine bouddhiste de ce temple, donc on part avec un jeune moine. Il ne restera pas longtemps, hein. Ce jeune moine, c'est une boîte, donc il va rester un mois. Eh oui, les moines travaillent, eh oui, eh oui. Allez, on va du côté de nos amis qui sont là à travailler. Ils ne s'arrêtent pas. Là, ils sont à 4, je crois, 4-5, pour que ça aille très vite. Voilà. Là, on a fait le feu pour nettoyer le coin, hein, c'est tout. Hein. C'est pas le barbecue. Alors, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Donc, je fais attention, voilà, parce qu'il y a des clous. Donc, ils vont couler les piliers. Ils ont coulé l'ambase. Voilà. Ils ont décoffré. Ils sont à 5 aujourd'hui. Et après, ils seront un peu moins parce que bon, c'est juste pour monter des petites briquettes comme ça. Donc, c'est l'arrière du temple. Donc, on va faire une ambase comme l'autre côté là-bas. Donc, t'as allé. Voilà, Katalé. Ah, ben, les chics. Voilà. Hein? Non, après, il va les clouer. Alors, on a fait rentrer du sable. Donc, le sable, il est là-bas. Là, c'est le campement. Donc, tout ça, après, va dégager. Et toutes ces choses-là, évidemment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ça va être propre. Vous verrez par la suite. Voilà. Voilà. Malène. L'autre faille. Voilà. Donc on ne s'arrête pas. Le travail. Une fois que ça sera presque fini, je dis bien presque fini, mais peut-être fini, je ne sais pas, on va faire une grosse fête. Eh oui, une énorme fête. Ah, ni PVC Nam, hein. C'est bien. On a gardé le PVC qu'il y a là-bas, c'est que il y avait l'ancien puits.